un coup de cœur. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Court is now in session. Reprise de l'audience. And the chamber gives the floor to the defense team for la chambre Mr. passe la parole Nguyen Chia to à l'équipe de défense de Nguyen Chia. Questioning. You may proceed. Pour reprendre son interrogatoire. Vous avez la parole, maître. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge, chers confrères. As a witness before the lunch break, Monsieur le témoin, I was referring you to avant la pause déjeuner, of another je vous renvoyais à la déposition d'un autre cadre de S21, but, someone called Lakmin, pas Prakan, mais plutôt un dénommé Lakmin. During the hearing of the 26th of April 2016, pendant l'audition du 26 avril 2016, à 14h29, I asked him a question about, je lui ai posé une question Son Sen, sur Son Sen, when he saw Son Sen, à savoir quand avait-il vu Son Sen. Je lui ai dit, that it was in 1978 that you saw Son Sen. Vous avez three, vu maybe four times. Son Sen trois ou quatre fois en 1978, answers, réponse yes, de Lakmin. Oui, c'est exact. Je l'ai vu trois ou quatre fois pendant la période où je travaillais comme interrogateur. La question que je vous pose est la suivante. Avez-vous déjà entendu parler de Son Sen et de sa présence lors des séances de formation? Vous rappelez-vous l'avoir vu like, en 1978? Comme l'affirme Lakmin, while the witness is thinking, juge Fens, pendant que le témoin pense à sa réponse, pouvez-vous nous donner la référence? C'est la transcription du 26 avril 2016, at, répond la défense, around 14:29. Vers 14h29 minutes. Kimpu. Sun Sen came réponse. To address the crowd Sun at Sen a study session, a pris la parole and I cannot recall the exact date when he was de there, but usually he je would come on the exacte, national mais il venait généralement ceremony held à l'occasion de la cérémonie nationale annually, tenue tous and les ans. I said I was busy with my tasks and I comme je l'ai dit, rarely attended j'étais occupé à mon travail et je participais rarement I did not recall exactly when he was there addressing the crowd. Je ne me souviens pas très bien à quel moment il a pris la parole à cette assemblée. La défense, ce n'est pas un problème. Let me finish the subject of Office 21 or Regiment 21 being part of the military. Je vais finir avec le thème de S21 comme faisant partie de l'armée en vous présentant un document qui ne se retrouve pas dans votre classeur mais qui a été placé dans l'interface auparavant. C'est le document E3-2028, Monsieur le Président. With your leave, I would like avec votre permission, to put that document on the screen. J'aimerais faire projeter ce document, ERN en anglais, 001-85-219 en Khmer, 0002, 21-084. Le Président. Yes, you may proceed. Vous pouvez y aller. And in general, the chamber grants the request to have général, all the documents projected or shown on the screen, unless those documents are objected by the party. La demande autorise les parties à faire projeter les documents, sauf si it les autres parties s'y opposent. La défense. So je m'excuse, ce document binder, figure screen, sur votre classeur. Witness, c'est le même document, document qui est projeté à l'écran. List of prisoners Monsieur from, le témoin, ce document porte le titre « Liste staff des prisonniers de l'état-major ». And then, if you have a look at, for instance, prisoner number three, regardez par exemple au prisonnier four, numéro 3,
numéro 4, numéro 8, numéro 9. They are members of, ce sont tous des membres du personnel de S21. Ils sont également considérés comme prisonniers venant de l'état-major. Est-ce que j'ai la bonne compréhension de ce tableau? That is correct. So they were from general staff. Réponse, oui, c'est exact. And ils relevaient de l'état-major. To be sure, there's another document, question, pour être which is also sûr, in your binder, il y a un autre document qui figure dans votre classeur que nous allons faire projeter, le document E3 bar. 2100, and English 008, en anglais 0085 5374. French, I will provide a bit later. Je donnerai l'URL en français un peu plus tard. Mr. Witness, if I have that document on the screen. Monsieur le témoin, ce document va être projeté à l'écran. There it is. Voilà. It says on top, military staff office. Nous avons état-major de l'armée. In French, it says bureau de l'état-major. En français, bureau de l'état-major. If you look at prisoners 19, 20, regardez 21, aux prisonniers 19, 20, 21, 25. 25. Basically, from 19 till 32, you see that there are all. Du numéro 19 au numéro 32, pardon. And that they are ils appartiennent tous under au bureau 21 military staff office. Et ils sont enregistrés sous la catégorie correct? De soldats de l'armée, soldats de l'état-major de l'armée, est-ce exact? This office was under the command of general staff, so réponse, it was. Ce bureau relevait de l'état-major. These offices were put in the column. Ces bureaux ont été inscrits. They were from sur cette general colonne, staff, president. Comme appartenant à l'état-major, le président. Duty counsel, please be careful when the maître, party, attention. When the witness is directed to examine. The documents. Sometimes the documents on the screen are not really clear enough for parfois, les documents the witness à ne sont pas suffisamment clairs to examine, and pour que le témoin puisse direct les examiner. And advise you to assist je vous the witness donc in reviewing the documents. And during the break document. Time, the duty counsel should review the documents and also assist pendant la pause. The witness in finding all the detail from the documents and et please also assist the witness to les review and read the documents document. Before he responds to the question. Aider le témoin thank en parcourant avec lui le document the avant French qu'il ERN ne réponde à la question. Is, la défense ERN en français 008-48-707. I owe you another French ERN, je vous dois un autre ERN en français. Celui du document D288-6.52.4.40. C'était une audition de Duyck devant le tribunal militaire. L'ERN en français était 003-29-405. So witness, we have discussed the military nature and character monsieur of le témoin, Office 21. Nous avons parlé de la nature militaire du bureau 21. Nous avons parlé now, du directeur like de ce centre et des membres de l'échelon supérieur. To whom you were directly, j'aimerais maintenant responsible to, in que hierarchy. Nous abordions
And I believe that was, nous examinions la personne de qui vous reveliez, vous Now, releviez said, directement en termes hiérarchiques, et il me semble que c'était Or. À plusieurs reprises, vous aviez dit appartenir à l'unité des gardiens. You also said that Hoare was the chairman of the guard unit, vous avez également ajouté que Hoare était le chef de cette unité des gardiens. Shared also an office with Hoare. Et que vous partagiez That's all un correct, bureau isn't avec it? Lui. Est-ce exact? Let me clarify the question réponse. Once again. What are you asking me? And please ask J'aimerais clearly. Que vous me posiez des questions précises, car je ne comprends pas bien votre question. Perhaps one question at a time. Juge Fens, maître, peut-être well, I was summarizing what he has said many vous voulez times poser already. Une question à la fois. But, la défense. J'ai résumé à plusieurs reprises ces affirmations, mais si la question n'est pas claire, je serai yes no, heureux de la reposer. Possible, Mr. Monsieur le témoin, veuillez répondre witness, par oui ou non, si possible. You were a member of the guard unit, vous correct? Étiez un membre de l'unité des gardiens, est-ce exact? Correct. La réponse Hoare oui. Was the chairman of the guard unit, correct? Vous étiez également chef de l'unité des gardiens. Hoare était également chef de l'unité des gardiens, c'est exact. I heard you say yes, but the microphone wasn't on. La défense, je vous ai entendu dire oui, mais votre microphone n'était pas allumé. Bad. Correct. And you réponse, shared an office oui, c'est with exact. Hoare, correct? Vous partagez le bureau avec Hoare, c'est exact. Bah, yes. Réponse oui, c'est exact. Now let me get to a few more specifics. La défense. J'aimerais obtenir un peu plus de précision. Working relation. En ce qui concerne. With Hoare or. Vos relations de travail avec Hoare. What you had to do, following Hoare's orders. Et la nature de votre travail suivant les instructions de Hoare. Je vais vous reporter à votre audition, à votre au document E3/91/40, interview avec le procureur, same English as in Khmer, 00 en anglais en Khmer, 1096. Sont les mêmes, 01-81-096. The only thing that I will be asking if that is indeed a correct statement. Je vais vous demander si ce que je vous lis est When exact. There was an order, to retype Lorsqu'il y avait un ordre consistant à recopier cette liste, à la redactylographier, je devais le faire et end of quote. La transmettre à Hoare. So this is about fin de citation. A certain document. Il s'agit ici de dactylographier à nouveau document, you forwarded it to Hoare, correct? Un document. Lorsque vous le faisiez, vous transmettiez ce document à Hoare, est-ce exact? Correct. Oui, c'est the exact. Next, excerpt is le deuxième extrait, pages down, deux pages plus loin, Khmer en English, même URN en Khmer en anglais, 00-18-10-98. Hoare examinait for him, les documents que je préparais pour lui. Et into approve, il les signait pour les approuver. Correct statement? Fin de citation. Cette déclaration est-elle exacte? Correct. Réponse oui, c'est exact. The next one is on the next page. English and Khmer, prochain extrait. 1098. To handwrite all Ma the names of the prisoners who came in, and then I reported it to Hoare, à rédiger tous les and Hoare will forward it to Duke's office. De manière manuscrite, je en faisais rapport à Hoare, et Hoare le transmettait au bureau de Duke. Fin de citation. President, please hold on, Mr. Winnes, you may proceed now. Le président, veuillez patienter, Monsieur le témoin, l'accusation à la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I'm a bit concerned by the way this examination is taking place because first it's becoming a reading of excerpts at each time, statements of the witness, asking the witness to confirm these statements. So
défense de demander de temps en temps une question. Maybe the defense could, from time to time, put an open question. Également, et ensuite, that would also be éventuellement, si possible. La réponse ne correspond and pas if the answer does not correspond to what he said before, then you could avant. Confront the witness with là, what he said before. But here, things are becoming, ceci, you know, like, are you sure, is it true that you said this or that? So I don't think that this is the method that was used je before this chamber up until now. I understand that the defense is trying to gain time, but open questions can be asked with regard to these excerpts. So you do not need to read out the previous statements because no question had been put to the witness in that regard before. Well, these questions were open questions by the prosecution. La défense, toutes ces questions so étaient des questions ouvertes du procureur. Reading the answers. Je me contente de lire la réponse. It goes much quicker. Du many open questions nous avançons asked, plus vite. So think, plusieurs questions ouvertes avaient déjà été posées. Et je pense que cette ligne de questionnement est autorisée, Monsieur le Président. Juge Fens. Il s'agit ici des déclarations faites devant des officiers de la Chambre. Il ne s'agit pas d'une autre Chambre dont on ne connaît pas les circonstances. So I'm inclined to believe that's a possible way, but again, to be clear, because these are statements of this witness before an authority of this court, so we have a certain control over the circumstances. Il s'agit ici des réponses du témoin données à un officiel de la chambre. Il s'agit donc des circonstances qui sont sous contrôle, sous notre contrôle. So let me read that last. Paragraph or excerpt again. Correction, l'interprète des officiels du tribunal. Je vais vous donner lecture de cet extrait. Votre tâche consistait à rédiger à la main tous les noms des témoins qui arrivaient. Je les envoyais. J'envoyais la liste à Hor et qui la transmettait au bureau de Dutch. Est-ce exact? Correct. The next one is on English and Khmer ERN 00181106. Prochain extrait, URN en Khmer 00181106. C'est une question sur les formats. Les formats de documents. Le modèle sur lequel les documents sont produits, et vous dites ce qui suit. L'idée d'adopter ce format n'est pas de moi. En fait, c'était un ordre de Hor. Le format et l'organisation de cette liste venaient de Hor, qui recevait ses ordres lui-même de l'échelon supérieur. Ma question est la suivante. Est-ce que Hor était impliqué dans l'adoption du format et de l'organisation des listes? Was the one who organized réponse. The format and also the list. C'était Hor qui organisait to list down the names. Le modèle des listes pour que je puisse y inscrire les noms. Is it fair to say that question. Hor was the person for whom you est-ce juste de dire worked the most or that he was the closest to you in relation to vous travaillez your work? Le plus pour Hor? Était-il votre superviseur direct? The tasks that I did was ordered by Hor. Réponse. In relation mes to missions m'étaient confiées par Hor. Names. En ce qui concerne l'établissement de la liste de noms. Before I will revisit Hor, la défense, and what you, avant de revenir sur Hor, about, Hor et sur ce que vous avez dit de lui, let me now turn to what Duyk said, je vais passer about, à ce qu'a dit Duyk. The tasks or functions of Hor. Sur les fonctions I will read de to you what Hor. He said, and then I will ask je vais vous donner lecture de ce qu'il a dit. That is correct or not? Puis vous demander your recollection. Si à votre connaissance, d'après vos souvenirs, cette déclaration est exacte ou non. First excerpt, Mr. President. Premier extrait, Monsieur le Président. From Duyk's testimony about Hor. Ce serait la déposition de Duyk sur Hor, document E3/5748.
5748. English ERN 001 53568. French 001 568. En français 005 5345. En Khmer 001 5 3 4 5 9. Duyk says that it was Hoare who took charge of the non-important prisoners. Qui était chargé des prisonniers moins importants. Est-ce exact ou pas? That is correct. Réponse, oui, c'est exact. Non-important prisoners were dealt by Hoare. C'est Hoare qui s'occupait des prisonniers moins importants. Duyk said also the following about Hoare. La défense Duyk a également dit ce qui suit de Hoare, document E3 bar, 1570, ERN 0015-4223, en anglais 00-15-4193, en français 00-15-4208. Hoare took care of the Phnom Penh sector Hoare in every field, du secteur de Phnom Penh dans tous les domaines, as well as document reading. Dans le domaine des interrogatoires et des documents. Tout ce qui se passait dans le secteur de Phnom Penh passait par le bureau de Hoare avant d'arriver à mon niveau. Fin de citation. Correct or incorrect? Cette déclaration est-elle exacte ou pas? I do not know about tasks performed by Hoare. J'ignore tout des activités de Hoare et des tâches qu'il lui a assignées. Juge Fens, est-ce que vous soumettez au témoin ses propres déclarations ou les déclarations d'une autre personne? S'il s'agit des déclarations d'une autre personne, vos questions pourraient être considérées comme tendancieuses. Donc faites attention à ne pas orienter le témoin. Let me go to his next quote. La défense. Je vais passer à un autre extrait. To ask open first, il est difficile de poser des questions ouvertes dans un premier temps, madame la juge. Document E3-1576, ERN en Khmer 001595-63, en anglais 001607-22, et en français 84-85. Duyk says that Hoare was Hoare était relativement autonome dans son travail. My question is that something that you Ma were able to la suivante. Avez-vous pu observer un tel fait? Est-ce que Hoare était relativement autonome dans son travail? I do not really understand Réponse. The word autonomous. Je ne comprends pas très bien le terme autonome. Pouvez-vous of course, that's utiliser no un terme at all. Plus simple? La défense, pas de problème. Was Hoare relatively independent Hoare était-il relativement when he made his decisions? Indépendant lorsqu'il Whenever prenait des décisions? Hoare ordered something to be done, chaque fois que could he order that by himself, or did he need to get authorization de lui, ou fallait-il qu'il obtienne une autorisation d'autres personnes? To my knowledge, whatever Hoare did, à ma connaissance, required the permission from the upper echelon, otherwise he could not do the task. D'être autorisé par l'échelon supérieur avant de faire And quoi que ce soit. La défense, je le comprends. Et qui était l'échelon supérieur? I am referring to Duyk. Réponse. Je fais référence à Duyk. Let me now confront you with what Duyk himself said in his earlier statements. Ce que Duyk lui-même a dit
dans ces précédentes auditions. Je vais me concentrer sur l'exécution des prisonniers. You said many times, and that's why I don't need to ask vous you avez dit à plusieurs reprises, raison pour laquelle je n'ai pas besoin de vous poser une question ouverte à ce sujet. Vous avez dit que c'est Duyck. Whether a prisoner should be executed, yes or no. Que décidait de l'exécution ou non d'un prisonnier. However, Duyck said the following. Or, Duyck a dit ce qui suit dans le document E3/5. 14-119-00. Les exécutions et donner les ordres à cet effet was Kim Vat, était Kim Vat, alias Hor. Alias Hor. And the implementer was chairman of my special unit, Him le chef Hui. De mon unité spéciale, Him Hui, était chargé de l'exécution. So, Duyck is saying de la mise en œuvre de the decision l'exécution de cet ordre. Was first of all fin de citation. Duyck dit que la décision d'exécuter venait de Hor. Est-ce exact? To my knowledge, President interrupts. Please hold on, Mr. Winner. You have the floor first. Veuillez patienter, Monsieur le témoin, l'accusation. Vous avez la parole. Tout d'abord, j'insiste de nouveau sur le fait que ça va vraiment vite. That things are going very fast. We have very little time to look at the excerpts in their context. Ce que j'ai entendu de la lecture de l'extrait de l'interview de Duyck, c'est que à S21, is that at S21, the person who would organize the executions would give and give orders to that effect was Hor. Dans la question qui est posée so in the question that's put now to the witness, changé, it changed. It becomes Hor would decide upon the executions. It's not what I heard in the excerpt that was read out. I do not have the excerpt in front of me to check right now, but it appears to me that the counsel changed the words used by Duyck by saying that it was Hor who would decide upon the executions. That's not what I heard when this excerpt was read out. It's one thing to plan organizations once the executions and then to give orders for the executions to take place, but it's something else to decide upon the executions. Those are two different things, and I don't think we can mix them up. La défense. The only thing I can do is literally repeat what Hor, what Duyck said. Tout ce que je peux faire, c'est lire un extenso ce qu'a dit Duyck. Let me not interpret it then. Sans pour autant l'interpréter. Mr. Witness, at S21. Alors je donne lecture, Monsieur le témoin. À S21, la personne qui planifiait. On this matter, et donner des ordres à cet effet, à savoir Kim les exécutions à S21, était Kim Vat alias Hor. Was chairman of my special unit, Him Hui. Et la personne chargée d'exécuter what is your reaction? Cet ordre était le chef de mon unité spéciale, Him Hui. Quelle est votre réaction sur cette déclaration? Regarding this document, réponse. Hor would receive the orders from Duyck. He had no authority to remove anyone or anybody unless there was an order from Duyck. Telle ou telle personne, sauf sur l'ordre de Duyck. And after receiving the order or orders from Duyck, Hor would decide how to deal with those people with the company de or 100 member unit. Manière traiter ces personnes avec l'aide de la compagnie des 100 hommes. Let me read to you another quote. La défense, je vais vous lire un autre extrait same subject, sur le même sujet, document E3/452, Khmer 00146 549 559, en anglais 00147 567 567, en français 00147 929. And I quote, the tasks of detention and smashing have been the burden
de la détention et de l'écrasement relevait du camarade Hoare depuis la création de S21. Fin de citation. Is that incorrect or is that correct? Cette affirmation est-elle exacte ou pas? That is correct. But as I said, réponse, c'est exact. Received the orders comme je l'ai dit, from Duyck and do recevait what, de Duyck les instructions and he did whatever, et les ordres. He was assigned to do by the upper echelon. Il faisait to my ce que lui commandait l'échelon supérieur, à ma connaissance. In that same, la défense, document, dans ce même document, the next page, la à la page suivante, Duyck dit, in relation to the execution of prisoners, concerne l'exécution des prisonniers, had to ask my opinion first. Que Hoare devait tout d'abord demander it's mon avis. Permission, but opinion. Alors, il ne s'agit pas ici d'une permission ou d'une autorisation, mais d'un avis. Incorrect? Est-ce exact ou pas? To my knowledge, réponse. Unless there was an order from Duyck, Hoare did could do the job. Sauf ordre de Duyck, Hoare pouvait faire le travail. The question is about la défense. Ordering or rather approving by Duyck. La question porte sur l'approbation de Duyck ou sur l'ordre donné par Duyck. Est-ce que Duyck a ordonné les exécutions ou il a approuvé les exécutions suggérées? After there was a decision from Duyck, then Hoare could perform the specific task. Alors, Hoare had no authority to decide to kill anybody or any prisoner. Everything was unilatéralement décidé de tuer ou d'exécuter tel ou tel prisonnier. Tout dépendait de Duyck lorsqu'il s'agissait des interrogatoires et autres. Question. Si je vous interroge ainsi, c'est parce que tout récemment, vous avez été entendu par les enquêteurs du coach d'instruction international. E3/10,571. Question et réponse 7. Même chose dans toutes les langues. And, you're being shown a document, on vous a montré un document. And then you say the following. Ensuite, voici ce que vous I dites. Used to see Duyck's handwriting j'ai vu often. Souvent l'écriture especially de Duyck. I saw his handwriting j'ai surtout and his signature vu very often. Son écriture et sa signature très souvent. When he approved quand il smashing approuvait and provided it une to Hoare. Exécution, after that, il gave communiquait his document in Duyck's cela handwriting to me to à Hoare, lequel me donnait names of people le document who had to be portant smashed. L'écriture after that, de Duyck pour préparer la liste des noms à tuer. Peng ensuite, Peng, Pui commandant de la compagnie, list. Ainsi que Pui, prenait cette liste. So, fin de citation. Again, I'm coming back to that word, approved. Je reprends ce terme, approuvé. Was it Duyck approving est-ce que Duyck Hoare's decision? Approuvait la décision de Hoare? Or was it Duyck ou bien est-ce que ordering Duyck Hoare? Donnait à Hoare des ordres? Duyck gave an order réponse. To Hoare. Duyck donnait un ordre à Hoare. Were you ever in a room or were you ever witness of Duyck ordering Hoare? Avez-vous jamais vu Duyck donner des ordres à Hoare? Réponse.
I did not witness a direct order. However, je n'ai pas vu que des ordres directs étaient donnés, mais il fallait une annotation de Duyck pour que Hove puisse exécuter un prisonnier. Correct, but Duyck said. Question. There was an incident once, je comprends, mais Duyck a rapporté un incident au cours duquel un prisonnier avait été exécuté alors qu'il devait encore être interrogé. La juge Vance, la référence s'il vous plaît. Maître Coppe, pourriez-vous avoir au moins la courtoisie de me laisser finir ma phrase? La juge Vance, on doit pouvoir vérifier l'exactitude des citations. On a déjà des problèmes, il faut donc les références. La défense, je passe à la suite. Mr. Witness, let me move on to my next subject and I will find you your quote. Je vais passer au thème suivant. Juge Fens, je vais vous retrouver la citation. And that is about my question is about the task. Il s'agit d'une question portant sur les tâches effectuées à S21, les objectifs généraux de S21. Let me confront you with what je vais vous présenter les propos tenus par Duyck à deux reprises concernant les tâches de S21. Quand il a déposé dans ce dossier le 9 avril 2012, à 15h35, he said that S21 il a dit was a unit que S21 était une unité chargée de mener à bien ses tâches d'espionnage. Is that correct? Was S21 est-ce qu'effectivement S21 était chargé countering espionage? Du contre-espionnage? Réponse. I did not know about that matter. Je ne savais rien là-dessus. Mon travail consistait à établir les listes à temps. Another major task of S21, une autre tâche importante Duyck, de S21, selon Duyck, said in E3 slash, était la suivante. Document E3-451, Khmer 001-87652, anglais 002-04341, et en français 001-86171. Il dit que la tâche principale de S21 était de rechercher les traîtres, finding poison, retrouver du poison, des armes et des agents vietnamiens. Et il accepte ce qui lui est présenté par le juge d'instruction. Il dit que c'était une des raisons d'être de S21, retrouver de tels agents en utilisant des aveux. Vous-même, d'après vos souvenirs, est-ce que vous considérez qu'il s'agissait là d'une tâche principale de S21? Réponse. As I have said, from the outset, comme je l'ai dit dès le départ, the tasks mentioned by Duyck were several, but my Duyck a main évoqué focus plusieurs was tâches, on mais my moi, personal je me concentrais sur mes tâches individuelles. I did not pay attention to other tasks. Je ne faisais pas attention au reste, aux autres tâches. I tried to complete my j'essayais task properly de mener à bien and on mon time. Travail correctement et à temps. La défense. Let me see if I can do it differently. Je vais essayer de procéder autrement. La semaine passée, on vous a montré une liste du décompte quotidien de prisonniers, notamment pour le 24 octobre 1977 en particulier. Cela pourrait être projeté à l'écran. Monsieur le Président, document E3-8763, ERN anglais 001-8-2983-84.
I don't think that is the correct document. La défense. Je ne pense pas que ce soit le document. Je vais essayer différemment. Souvenez-vous, monsieur le témoin, on vous a montré un document. C'est, je pense, le juge Lavergne qui l'a fait. Dans le document, il était question de toutes sortes d'unités provenant de l'armée et des zones au sein desquelles des prisonniers avaient été arrêtés puis amenés sur place. Cette liste parlait de la division 164, division 170. Il était question de toutes les zones et régions autonomes. And you might also recall souvenez-vous that aussi you explained the various que vous avez donné des explications the sur les abréviations employées concernant les ministères d'État. Now my question first is, ma première question if you est la suivante. Do you remember si whether, vous vous rappelez cette liste, vous rappelez-vous si ces catégories étaient toutes celles existantes ou bien s'il y en avait d'autres relative aux prisonniers. Réponse. Could you please, pourriez-vous specify préciser the list that you de quelle liste vous parlez? Are you referring to the daily counting of a prisoner list or est-ce another la liste, list? Relative au calcul quotidien des prisonniers yeah, ou bien une autre that, liste. C'est la liste qui vous a été montrée la semaine passée. Malheureusement, je n'ai pas sous la main la version en Khmer. E38763, le document est peut-être dans le classeur. Le président. Counsel, could you please check, je prie l'avocat du témoin de consulter client. Le classeur pour voir si le document s'y trouve. Court officer, could huissier you d'audience, take the document veuillez from aller the chercher ce document auprès de la défense et le remettre au témoin. I apologize for the Maître delay, Coppeux, Mr. President. Excusez-moi so that is the pour ce retard, Monsieur le Président. Voilà donc le document qui vous a été montré. Il est question de différents ministères d'État, il est question des différentes divisions you de l'armée. That document? Vous rappelez-vous ce document, Mr. Witness? Yes, I see it. Réponse. Now my question oui, je le vois. Do you remember any other categories of prisoners? Vous souvenez-vous d'autres catégories de prisonniers? All the categories that ou bien est-ce que les présentes catégories sont les seules qui étaient utilisées à S21? Niki Pepinato, Room, then Arnishambaymo. This is kind of a combined list il s'agit for prisoners. D'une however, liste this kind of list was de prisonniers. Not drawn up on toutefois, a daily basis. Ces listes n'étaient pas établies chaque jour, drawn up when there was an instruction mais uniquement to make such quand a des instructions dans ce Hor. Sens étaient données par Hor. And the daily list was different la liste from this kind quotidienne of list. Était différente de ce type de liste aussi. List, la liste quotidienne, en effet, était plus courte et comportait moins d'informations. On trouvait seulement me, le nom et les fonctions list des personnes list. Concernées. Ici, je pense que c'est une liste consolidée, une compilation. Is, la défense, je comprends. Et ma question est la suivante. Existait-il une catégorie de prisonniers dont il n'est pas fait mention dans cette présente liste. Y a-t-il une autre catégorie ou bien est-ce que ces divisions de l'armée, les membres des zones, les ministères d'État représentent les seules et uniques catégories qui existaient? Réponse. This is a kind of a master list, and to my knowledge, c'est there was no other kind de of a master liste list. Consolidée. À ma connaissance, il n'y avait pas d'autres listes de ce type.
Now keep that in mind and la let défense. Me now go to document cela à l'esprit, the WI of Duik, E3/577/2. 5772, PV de l'édition de Duik. Anglais 002-09-170, 170, Khmer 001-861-94, et en français 001-862-10. He says, the prisoners il dit in S21, les prisonniers provenaient seulement des rangs du parti masses. Et non pas des masses populaires. Fin de citation. Is that correct? Est-ce exact? Ni. Bah, tam, kiam, dang, ki. Réponse. Through my knowledge, the matter generally happened, but I could not say about the statement made by Dodge. Cela s'est effectivement passé, mais je ne peux rien dire sur les propos de Duik. Let me formulate it differently. Is it correct? La défense. Je vais formuler différemment. The prisoners in S21 all belonged to one of those categories. Tous les prisonniers appartenaient-ils à l'une de ces catégories and only came from within the party et venaient seulement and not from des the civil, rangs civilian du parti population. Et non pas de la population civile. Est-ce exact de dire ceci? Réponse. The information in the release covered civilians as well. So, to my knowledge, that statement by Dodge is not les correct. Les informations en question incluent aussi des civils. Donc, je pense que ce que déclare Dodge n'est pas exact. But if there were civilians in S21, mais s'il y a eu des civils were they S21, then not members of one of those categories that you just mentioned? N'étaient-ils pas membres de l'une des catégories dont nous venons de parler? Réponse. In terms of civilians, they will be listed as civilians and the zones les civils étaient désignés comme tels, des civils, et on indiquait aussi la zone d'où ils étaient emmenés, par exemple la zone nord-ouest. Cela était mentionné. S'il s'agissait d'anciens soldats de l'ONOL, cette information aussi était incorporée. So what you're saying is that Duik's testimony vous dites that prisoners only came from within the party is incorrect. Que Duik dit quelque chose de faux lorsqu'il affirme que les prisonniers venaient uniquement des rangs du parti. Yes, that is correct. N'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Now let me go to one other person that you work closely with. Passons and that is à Meng. Un autre de vos anciens collaborateurs proches, Meng. Meng was the chairman celui-ci of the interrogation était office, président correct? Du bureau des interrogatoires, n'est-ce pas? Réponse. No. Non. Meng, was not, Meng chief n'était the pas le section, chef de la section des interrogatoires. Of the il office. Était le chef du bureau des interrogatoires. That's what I said in English. La défense, c'est ce que j'ai dit en anglais. Il y a peut-être eu un problème dans la traduction. Quelle est la différence entre chef du bureau des interrogatoires et président section. De la section des interrogatoires? They were different. Réponse. The chief il y avait une différence. Le chef du bureau était chargé d'établir les listes pour toutes les unités d'interrogatoire. Quant au président de l'unité des interrogatoires, cette personne était responsable de tous les interrogateurs au sein de l'unité des interrogatoires. When you talked to la défense.
The American, quand vous vous êtes entretenu Defense Intelligence Officers, avec l'agent des services de renseignement américain, you also mentioned Meng, vous avez aussi cité Meng, document E3/7837, Khmer 008-006-13, French français 0077-5890, et anglais 0027-6844. These American interrogators or officials, ces officiels summarized Meng's work américains ont résumé as, le travail de Meng quote unquote, comme the interrogation ceci, je cite, registrar. Interrogation registrar, is that la personne chargée du registre des interrogateurs. Est-ce une manière adéquate de décrire les fonctions de Meng? Meng was the person who was in charge of réponse, all the lists for all the interrogation units. Pour toutes les unités d'interrogatoire. Meng was in charge of all the il était responsable de toutes les listes de prisonniers, de toutes les listes principales. Were also under et les Meng, dactylos relevaient under aussi his office. Du bureau de Meng. Was there any overlap la défense. Between your work and his work? Y avait-il des chevauchements entre votre travail et le sien? Ou bien s'agissait-il de deux tâches nettement distinctes? Réponse. My task and main task was separate and different. Nos tâches respectives étaient distinctes et différentes. Premièrement, je devais lui faire rapport sur le nombre de prisonniers. Meng lui-même était le responsable général des différentes tâches au sein des trois bureaux. C'est lui qui était en possession de la liste principale. During your interviews with the investigators, quand vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, durant vos entretiens avec le parquet, ici aussi dans le prétoire en 2009, pendant le procès, à ces différentes occasions, il est arrivé fréquemment que vous ne reconnaissiez pas un document, une liste de S21. Was that because that particular list est-ce parce que la liste en question était le plus Meng. Souvent établie sous la supervision de Meng et parce que vous n'avez pas pu reconnaître un certain nombre de documents de S21 de par les fonctions que vous exerciez? Réponse. I cannot recall all the list. Je ne me souviens pas de toutes les listes. Only, knew about the list, je that connaissais was drawn uniquement by the guard unit. Les listes établies par l'unité des gardiens. But to put it differently, la défense. Pour présenter les choses différemment, Meng était responsable de toutes sortes de documents qui étaient différents de ceux qui relevaient de votre propre responsabilité, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Just to get it completely clear, pour que tout soit parfaitement limpide, monsieur le témoin, read. J'aimerais vous donner lecture you said, d'un extrait de vos déclarations before the chamber in case one, that is document E3/7466, dans le dossier 1E3/7466 à 9h40 du matin. And that might have been an error in the transcript. Ces déclarations sont peut-être entachées d'une erreur.
dans leur transcription, car vous dites ceci: je travaillais seulement sous la supervision de Peng, avec un P, lequel était chef des interrogateurs. C'est moi qui résumais la liste. Vous dites donc que vous travaillez sous la supervision de Peng, chef des interrogateurs. Est-ce que vous vouliez dire Meng et non pas Peng? La juge Fentz, est-ce que vous avez vérifié la transcription originale en Khmer? That is a good la défense, bonne question. No, I haven't. Non, je ne l'ai pas fait. But maybe, maybe the witness, mais peut-être que le témoin pourra can clarify. Préciser. If you said you worked only on the vous avez dit avoir travaillé seulement sous la supervision du chef des interrogateurs. Vous faisiez référence à Peng ou à Meng? Réponse. Il y a apparemment une confusion entre Meng et Peng. Peng n'était pas responsable de la tenue à jour des listes. Il n'était pas au niveau du bataillon. So you meant Meng, la not défense. Peng, correct? Vous vouliez donc dire Meng et non pas Peng, n'est-ce pas? Réponse. For drawing up the list, I refer to pour Meng, l'établissement des listes, Peng, je faisais rapport à Meng concernant Peng. Lui était responsable de l'unité des 100 hommes. A company. Ou d'une compagnie, à savoir le groupe 18. Voici une de mes dernières questions concernant ces listes de façon générale. Monsieur le Président, j'aimerais faire passer un bref extrait d'un documentaire de l'Allemagne de l'Est intitulé Die Anker. Je crois que la régie est prête à projeter cet extrait. And if that is all right with you, yeah. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Le président. Counsel for civil parties, you may proceed. Je vois que la co-avocate principale pour les parties civiles demande la parole, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Une Thank courte you, question President. Pour notre confrère. Est-ce que c'est l'extrait I have a short question for my colleague. Qui était mentionné dans un email la semaine dernière? Mentioned in an email last est-ce week? Que c'est de cet extrait dont il s'agit parce qu'il n'a pas précisé les, Because, if that is it, les minutes? He did not specify the Et si oui, pour minutes. Être très concrète, And if, yes, le problème que nous avons, concrete, c'est que ce document existe uniquement Is that en allemand, that document is only que c'est donc in German. Un documentaire dans aucune langue officielle du tribunal, a documentary qu'il y a eu simplement that is not in any of the tribunal's official languages, and what we have is only partial translations du documentaire, of the comments et que de ce côté-ci, in the documentary. Il nous est donc absolument impossible de comprendre ce qui est dit dans l'extrait qui a été cité par notre confrère. Donc ça nous pose une difficulté. Je sais qu'il y a un juge germanophone. I know there is a German speaking judge here present. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un documentaire qui est dans une langue qui n'est aucunement une des langues du tribunal, ça nous pose une difficulté. This documentary is in none of the languages of the tribunal face difficulties in understanding it. I'm not interested in the commentary that you can hear. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le commentaire qu'on peut entendre. D'ailleurs, on peut très bien couper le son. Tout ce que je veux montrer c'est un livre contenant des listes de prisonniers et je veux interroger le témoin sur ce qu'on voit et non pas sur ce qu'on entend. La juge, on vous demande une référence précise. La défense, la régie est au courant. La juge Fentz, c'est au fin de la transcription. La défense. Documentary The Anker. Dit Anker, documentaire E3-3095R, 23 minutes 58 secondes jusqu'à 25 minutes 15 secondes. M.
Le président, la Chambre fait droit à votre demande. Service technique, veuillez faire passer cet extrait comme demandé par la défense de Nunchia. Mr. Witness, you saw the footage. Monsieur le témoin, vous avez vu cet extrait vidéo. Il s'agit d'un documentaire tourné en 1980-1981. Très rapidement après l'abandon de S21. An orange book. Lorsque vous regardez cet extrait, il y a un registre orange qui contient une liste de prisonniers entrants. Est-ce que ce registre orange était utilisé? Avez-vous travaillé avec un registre contenant une liste de noms des prisonniers entrants? I was in charge of that large book. Réponse. J'étais responsable de ce grand registre. Judge Lavergne, le président. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, je réagis parce que j'entends Maître Coppé qui dit que c'est une liste contenant des noms de prisonniers. Ces listes ne contiennent aucun nom. Contain no names. Ces listes sont des listes quotidiennes des effectifs de prisonniers of avec the les number entrants of prisoners. Et sortants. Those coming in and those leaving. Des documents qui ont déjà été présentés dans ce procès. These are documents that were already presented, in fact, in this trial. Maybe I misspoke. I certainly didn't mean to say names. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Je ne voulais pas parler de noms. Ou alors c'est un problème de traduction. This book containing entry lists. Monsieur le témoin. Or documents that you ce were registre qui contient responsible for. Une liste. Is my understanding now correct that you, de nombre d'entrées. Used this orange book while you were at S21? Ai-je bien compris que vous avez effectivement utilisé un tel livre, un tel registre lorsque vous séjournez à S21? I was in charge of the daily incoming prisoners. Réponse. J'étais responsable. I understand, des prisonniers qui entraient quotidiennement. La défense, je comprends. Et vous utilisez ce registre orange à cet effet. Juge Fens, est-ce qu'on pourrait stills, but, montrer des photos d'écran? Plan to show stills, but, la défense, oui, nous avons des photos d'écran. Nous avons prévu de le faire, mais nous pensons que l'extrait vidéo est plus clair. Was able to see it clearly. Nous pouvons peut-être repasser la vidéo, mais je pense que le témoin a bien pu voir ce qui était projeté. Monsieur le témoin, est-ce que vous utilisez dans le cadre de votre travail un livre orange? Maître Coppé, j'avoue ne pas très bien comprendre la pertinence de votre question. I don't really understand the relevance of your question. Ce livre
This book contains the same sheets as those that were presented to this witness, and he said indeed that he was completely unaware of all of these sheets. The witness said that he would come up with nominal lists of prisoners coming in, lists of names. Here there are no names. These are simply statistical data with the number of prisoners coming in and leaving in each unit involved. So I don't see the relevance of your question here. Maybe something is going wrong in the translation. Peut-être qu'il y a un problème de traduction de la défense. Tout ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai compris ou entendu en anglais, c'est que le témoin utilisait ce livre orange. Et je pose cette question parce que nous avons des documents distincts. Et nous ne sommes pas au courant de l'existence d'un registre ou d'un livre. Un livre orange n'existait pas, du moins c'est ma compréhension. Et je voudrais que le témoin nous donne cette précision. Monsieur le témoin, y avait-il un livre orange lorsque vous séjourniez à S21 et l'avez-vous utilisé? I used a thick book. Réponse. However, I do not recall the content inside the book. A thick one. Mais je ne me rappelle pas de la and teneur. For the color, it was pink. De ce livre. Not yellow. Ce livre était épais, de couleur rose et non pas orange. Mr. President, what I'm trying to establish is whether there was a difference in what was la défense, Monsieur le Président, j'aimerais établir s'il y a une différence entre la statistique originale et celle que nous avons dans le dossier. Est-ce que ce serait possible de montrer au témoin à nouveau cet extrait vidéo? President, AV unit, please. Le Président. Show the video clip as requested by the Defense de Council. Reprojeter l'extrait vidéo à la demande. And please pause. Du Conseil de la Défense. When the concern document, that is the orange document, et veuillez was arrêter shown. L'image sur le livre orange. So, Ms. Witte, you had another chance to have a look at this book. Monsieur le témoin, vous avez pu voir le registre tel que projeté. Est-ce là le registre que vous utilisiez? Generally speaking, this is the master list or the book. Il s'agit ici de la liste principale ou le registre comportant la liste and principale. I
registered names of incoming prisoners on a daily basis, and usually this book or master list was used when I had to total the number of prisoners. Comportant la liste principale, je l'utilisais lorsqu'il fallait faire le décompte total des prisonniers. President Judge Lavergne, please proceed. Le président, Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, pour la clarté des débats, je précise que purposes of clarity, I'd like to specify that this is a register that compiles the daily lists of the S21 prisoners. These daily lists resemble the lists under index E3/8763. Which was shown on Friday ce matin, and even this morning to the witness. President, thank you, Judge. Merci, it is Monsieur now le juge. Convenient time for a short break. The chamber will take a short break le from now pour la chambre until 3 p.m. Court officer, please assist the witness in the waiting room during a break time, and please invite him back together with the duty counsel into the courtroom before at 3 p.m. The court is now in recess. À 15 heures, aux côtés de son avocat. Suspension d'audience.